Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne début d'après-midi. Désolée pour ce petit retard, j'avais un petit imprévu de dernière minute. Yo! Hey, merci pour le follow, cœur de gamer, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Oui, comme t'as pu voir, j'ai changé le... j'ai changé les emotes de mes lives. C'est définitif pour le coup. Mais merci pour le follow, ça fait plaisir. Allez, plus qu'un et on arrive à 80. Wouh! Recoucou de Chucho. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandent ce que c'est le jeu. Donc, déjà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'espère que si jamais un moment on a les créateurs du jeu dans le live, ça serait ça. Enfin, vous pourrez leur poser des questions directement, je vous dirai à ce moment-là. Mais moi, je vais vous en parler un peu de mon côté, de ce que je sais et de ce que j'ai pu vivre, surtout aussi en tant mais déjà, je vais vous couper la musique, je vais vous mettre la vraie musique du jeu. Ça sera pour après, Loulou. Je le remettrai en fin de live. Du coup, je vais vous remettre la musique du jeu parce qu'elle est jolie. C'est eux-mêmes qui l'ont faite. Donc, il faut que. Hop, hop. Voilà, j'espère que c'est pas trop fort pour vous. Vous arrivez quand même à m'entendre dans tous les cas. Oui, il y a marqué prologue vendredi 8 parce que du coup, en fait, je l'ai rallumé. Donc pour le coup, il fallait vraiment refaire le prologue. Mais j'espère que vous entendez quand même la musique et ma voix pour le coup, si elle vous. Et je vais vous parler un peu plus du jeu. Alors, Sears Isles, qu'est-ce que c'est? Bah, déjà, vous vous doutez déjà que c'est un jeu indépendant. D'accord? Donc, c'est un jeu indépendant qui est sorti il y a quelques années maintenant. D'accord? Donc, il a 4 ou 5 ans à peu près. 4 ans, date de sortie, parce que du coup, il a été sorti en 2018. C'est créé par Novabox. Voilà. Et les éditeurs, c'est Novabox, donc comme je vous l'ai dit, d'où le. Un poil trop fort. D'accord. Est-ce que là. Ah non, c'est peut-être là en fait. C'est peut-être la musique pour le coup. Est-ce que là, du coup, c'est mieux? Parce que moi, perso, je m'entends pas, j'ai pas mes retours, donc il n'y a que vous qui pouvez me dire. Donc, du coup. Du coup, donc c'est un jeu vidéo indépendant et c'est un jeu d'aventure. Et il est disponible sur Switch, sur Microsoft, Linux et macOS. Donc il fait Switch et il fait pas les consoles, donc PS, enfin PlayStation et Xbox, mais il est sur PC. Voilà, Switch et PC, il fait. Donc c'est un roman graphique interactif. D'accord? C'est-à-dire que on va lire une histoire, en quelque sorte, avec des actions, les paroles des personnages, mais en fonction des choix qu'on va pouvoir avoir dans le truc, enfin dans le roman, la fin de l'histoire ne sera pas la même. D'accord? Là, je vous l'ai mis en français pour le coup parce que ça sera plus facile pour vous. Donc il est sorti sur Nintendo Switch le 15 octobre 2020. Donc en gros, pour vous situer un peu l'histoire, c'est un jeu narratif situé dans une version fantastique de l'Europe du Nord, d'accord, médiévale, où, comme je vous ai dit, vous aurez des choix qui auront un impact sur le destin d'un groupe de personnages. En fait, vous aurez plusieurs personnages. Et il est disponible en anglais et en français. Mais je crois qu'il y a un peu plus, il y a plus de, il y a plus de, comment ça s'appelle? De choix maintenant, à l'heure actuelle. Faudra regarder. Alors, pour vous situer le contexte, donc c'est un groupe d'apprentis chamans, d'accord? Donc ce sont des chamans qui ont posé les pieds sur une île sacrée, en gros, pour s'initier au rite de la magie. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont devoir faire de. Avec, ils sont tous d'horizons différents, d'accord? Et ils vont devoir s'initier à la magie. Sauf qu'au fur et à mesure, ils vont progresser dans la recherche de la magie. Ils vont avoir des guides spirituels
et ils vont voir qu'ils ne sont pas seuls en fait. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran d'accueil, ils vont voir cette étrange femme dans leur rêve. Mais qui elle est, et vous en apprendrez plus un peu au fur et à mesure de l'histoire. Donc c'est le style, c'est dessiné, donc c'est fait main, d'accord. Voilà, donc c'est pas fait comme ça. Donc comme je vous ai dit, vous allez pouvoir jouer plusieurs fois à ce roman graphique, d'accord. Il n'y a pas qu'une seule fonctionnalité, parce que tu pourras choisir ton âme sœur et découvrir le résultat des décisions à travers plusieurs chemins et fins d'histoire. Comme je vous l'ai dit, il y aura forcément plusieurs fins d'histoire. Il y a une façon aussi, ce qui est bien dans ce roman graphique, c'est qu'il n'est pas figé, il est dynamique, donc tu peux lire une histoire comme une bande dessinée en fait. Et comme je vous ai dit, vous allez avoir votre choix qui va compter au fur et à mesure de l'histoire. C'est-à-dire que chaque décision que vous prendrez modifiera légèrement l'humeur et la personnalité du personnage principal que vous aurez, ainsi que la relation avec le reste du groupe. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs filles déjà, plusieurs garçons, et ils vont pas forcément soit bien s'entendre, soit forcément pas bien s'entendre. Ça dépendra. Moi quand j'ai joué la toute première fois, que c'était un plus que bêta test, j'ai tué un des enfants, enfin un des apprentis chamans, voilà, pour vous dire. Mais j'espère que cette fois-ci ce sera pas la même, parce que je sais même plus les choix que j'avais fait. Je vous dis, j'ai joué il y a à peu près 4 ans, donc ça va être un peu compliqué de refaire, de retrouver les mêmes choix, les mêmes choix. Voilà, donc on va faire continuer pour le coup. À moins que vous vouliez voir le générique. Voilà, donc là, pour vous montrer à peu près, Sirzai, c'est un roman graphique interactif où tout au cours de vos aventures, vous serez amené à faire des choix qui détermineront la suite de votre histoire. Lorsque vous ferez un choix qui influence les relations du personnage principal avec les autres personnages, un symbole s'illuminera en haut de l'écran, je vous montrerai. Donc il y aura l'œil, la main, l'homme et le cerf. Dans Sirzai, comme je vous ai dit, votre progression est sauvegardée automatiquement, vous ne pourrez pas modifier vos décisions. En revanche, la somme de vos choix mène à des hypothèses de narration différentes. Il est impossible de perdre dans un Sirzai. Voilà, choisissez en votre âme et conscience, j'étais le vent. Donc voilà. Donc là-haut, vous avez l'œil, la main, l'homme et le cerf. Et en fonction des choix que vous ferez, vous, il y a un choix qui s'illuminera. Voilà. Voilà, en gros. Est-ce que... Oui. Je vais voir si je peux vous montrer le générique. Ah ok, non, le générique c'est ça. Autant pour moi. Ah, du coup on peut continuer. J'étais le vent. Le temps n'existait plus. La solitude immatérielle était ma punition. Ce que les esprits avaient décidé. C'est ce que les esprits avaient décidé. J'ai observé la lande se couvrir de fleurs mauves. L'herbe jaunir à l'état. Les feuilles des chênes centenaires roussirent, puis recouvrirent la mousse des sous-bois d'un humus orange et brun. Les premières neiges à Yule. Pas âme qui vive. J'ai fini par oublier qui j'étais. Puis ils sont arrivés. Donc, ce qui peut faire comprendre que la personne qui a parlé au début, c'était la personne que vous avez pu voir sur l'écran d'accueil. Chapitre 1. Falaise. On approche d'une plage, là, vous voyez. Donc c'est Duncan. Duncan, c'est lui, je crois. Si je me souviens bien. Je crois que c'est lui. Arline, il y a un courant de fond. Si on accoste de face, on n'aura pas le temps de manœuvrer pour éviter les récifs. Ah non, c'est lui, Duncan. Autant pour moi. J'ai vu, mais avec le vent du large, si on garde la voile pleine, ça devrait passer, non? On est en train de perdre de la vitesse. Si on ne fait rien, on va dériver vers les falaises avant d'atteindre la côte. Ah voilà, lui c'est Conan. Dites, je voudrais pas faire le rabat-joie, mais vous avez vu les gros nuages noirs? Conan regarde en direction de l'île avec une inquiétude palpable. La pluie commence à tomber. Eric, c'est le grand costaud.
Cette tempête n'a pas l'air naturelle. Les regards se tournent vers Arline. C'est toi qui te connais mieux en navigation. On fait quoi? Eh bien, je ne sais pas trop. Quoi qu'on fasse, on risque d'échouer sur un récif ou d'être emporté vers le large. En cas d'avarie, je ne suis pas sûre que le bateau tienne le coup. Ce serait catastrophique. La pluie tombe maintenant en grosses gouttes et le tonnerre gronde. Alors, est-ce qu'on réduit la voile ou est-ce qu'on passe en force? Moi perso, je suis plutôt d'avis pour qu'on réduise la voile, voire quitte. Mais je pense qu'ils vont se faire amener. Réduit. Connor s'est assis au fond du bateau et s'accroche à la balustre. Donc vous avez vu, vous avez le cerf qui s'est illuminé là-haut. La mer s'agite de plus en plus. Sans perdre de temps, Duncan tire sur la corde pour remonter la voile. Le frêle esquive retentit peu à peu. Tout le monde retient son souffle. Arrivé à quelques coudées de la plage, le bateau vire soudainement de bord et commence à reprendre la vitesse, s'éloignant dangereusement de la côte. On est trop court, sortez les rames! Freya, c'est la blonde. Tout le monde s'active pour lutter contre le courant, mais l'océan ne se laisse pas dompter et le bateau continue à dériver. Il frappe de flanc un épieu rocheux et est repoussé dans l'autre sens par une vague qui vient de dépasser sur le sable de la plage. Eric, sans la moindre hésitation, se jette à l'eau et commence à tirer le navire avant qu'il ne soit happé par le ressac. Connor semble distinguer quelque chose au coin de l'œil. Brandon est tombé à la mer! Au loin, une silhouette semble se débattre contre le courant. Duncan s'apprête à sauter à l'eau, mais Arline peut encore prendre les devants. Alors, est-ce que c'est Duncan qui porte secours ou est-ce que c'est Arline? Perso, j'aimerais bien tester Arline pour une fois, parce que je pense que la dernière fois j'avais testé Duncan. Donc, je suis bien partante pour Arline. On y voit, vous avez la main et l'homme qui se sont allumés. Arline s'est débarrassée en hâte de tout ce qui pouvait la ralentir et se jette à la mer. Dans le vent et la pluie, on distingue à peine les deux silhouettes dans la tourmente. Jennifer dit : c'est Brandon, il a dû passer par-dessus bord quand on a touché les récifs. Plusieurs fois, la nageuse disparaît derrière une vague et Duncan a le temps de se demander si elle ne s'est pas noyée avant qu'elle réapparaisse. Finalement, Arline rejoint Brandon et commence à revenir vers la côte. Dès qu'elle est suffisamment proche de la plage, Duncan et Eric accourent pour l'aider à sortir Brandon de l'eau. Les deux hommes l'amènent plus haut sur la plage, hors de portée des vagues, et l'allongent discrètement sur le sable. Brandon est sans connaissance. Jennifer se met à genoux aux côtés de la tête du jeune charpentier, l'air inquiet. Il a perdu connaissance, mais il respire. Donc il est vivant. Elle fouille dans son sac et sort une petite fiole en verre brun. D'une main, elle lui relève la tête et de l'autre, lui passe la fiole sous les narines. Brandon ouvre soudainement les yeux, l'air terrifié, et se met à tousser. Jennifer l'aide à se retourner et, une fois à quatre pattes, lui crache une grande quantité d'eau salée. Elle se tourne vers le groupe. Sa vie n'est pas en danger. En revanche, il a une plaie à la jambe. Il va falloir que je la pince immédiatement. Au moins, c'est pas pris le bateau sur la jambe, donc elle n'est pas cassée. Ça, c'est bien. Parce que la dernière fois, elle était cassée, sa jambe. En effet, ses bras sont déchirés à la jambe droite et il y a une vilaine entaille en travers du tibia. Voilà, c'est elle, Freya. Elle est trop belle. Il faudrait faire du feu pour l'aider à se réchauffer. Bonne idée. En plus, Arline est trempée. Oh, j'ai l'habitude. Je vais aller ramasser du bois. Je ne tiens quand même pas à rester avec des vêtements mouillés. Oui, d'ailleurs, c'est le moyen d'attraper une fièvre.
Je vais voir si je trouve un chemin pour rentrer dans les terres. Et lui, c'est Eric. Voilà, c'est le gros, baraque, costaud. Enfin, moi, perso, je n'aime pas, mais, mais chacun ses goûts. Vous verrez au fur et à mesure de. Pourquoi il n'est pas dans ma mentalité. La pluie battante s'est changée en fin crachin. Comme si les esprits avaient commandé cette tempête exprès pour leur arrivée. La plage est parsemée d'épaves de bateaux plus ou moins anciens et cernée d'une haute falaise de pierre claire. Freya se lève pour rattraper Eric, tandis qu'Arline s'apprête à s'éloigner en quête de bois pour le feu. Alors, est-ce qu'on observe Freya ou Arline? Blonde ou rousse, pour le coup. Je serais bien tentée d'aller. Non, c'est Freya qui va ramasser du bois et Arline qui reste pour faire du feu. Donc, à voir. Eh bien, on va tester Arline. Arline commence à s'éloigner. Avec toutes les épaves de bateau, elle va bien trouver quelques planches cassées pour faire un feu. Ah, autant pour moi, c'était bien Arline qui va faire du bois. Qui va chercher du bois et Freya qui va faire du feu. Derrière elle, elle entend Vénifère. Connard? Qui? Moi, Connor, c'est lui, ouais. Tu pourrais peut-être donner un coup de main à Arline, tu ne crois pas? Connor prend un air étonné. C'est-à-dire que. Oui, d'accord. Connor rejoint Arline en traînant la patte. Est-ce que du coup Arline fait une remarque espiègle ou est-ce qu'il sourit? Je pense qu'on va juste lui sourire. Vous voyez, il y a l'œil qui s'allumait pour le coup. Allez, fais pas cette tête. Connor sourit lui aussi. Qu'est-ce qu'un type de la ville comme toi vient faire ici? Oh, j'ai juste décidé qu'un peu de grand air me ferait du bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Mon petit doigt me dit que ce n'est pas pour honorer ton clan comme nos ennemis du Nord. Arline éclate de rire. Non, ce n'est pas pour honorer mon clan, comme tu dis. La guérisseuse de mon village vient de mourir. J'ai accepté de tenter l'initiation à condition que le village accepte de prendre soin de mes frères et sœurs. Oh, je vois famille nombreuse. Je suis l'aînée d'une grande fratrie, trois garçons et quatre filles. Ça fait beaucoup de bouches à nourrir. Arline ramasse un bout de bois et le tend à Connor. Elle se retourne et le regarde dans les yeux. Sérieusement, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que les gens de la ville ne croyaient plus aux esprits et aux anciens dieux. Connor détourne le regard. Oh, je ne suis pas là de gaieté de cœur, comme tu dois l'imaginer. C'est le temple qui m'a envoyé. Ah bon? Pourquoi? Je crois qu'il ne savait pas trop quoi faire de moi. Et puis, mon intelligence faisait de l'ombre aux autres novices. Connor arbore un petit sourire en coin. Il désigne un gros rocher d'un coup de menton. Allons par là. Tu as vu cette tempête? C'était quand même bizarre, non? Arline s'arrête et réfléchit un moment. C'est vrai que ce n'est pas commun, le ciel qui se couvre comme ça d'un coup. Il faut croire que les esprits ne vont pas nous rendre la vie facile. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne sais pas trop. Je suis même pas sûre de croire aux esprits. Arline est interloquée. Tu sais, au temple, on nous apprend que tout ce qui est régi par le dieu solaire est le seul vrai dieu. Qui est le seul vrai dieu? Croire aux esprits, c'est considéré comme une hérésie.
Une hérésie? Oui, une mauvaise pensée, si tu veux. On nous punit pour ça. Arline éclate de rire. Vous êtes bizarres, vous autres, les citadins. Connor prend soudainement un air sérieux. Regarde. Juste derrière le rocher, un bateau a été tiré sur le sable. Tu crois qu'il est en état de naviguer? Arline s'approche de leur barque. La coque a l'air saine, la voile est déchirée, mais la nôtre est en état. Je pense qu'il doit tenir la mer, oui. Pour être en si bon état, ce doit être l'embarcation d'une expédition récente, non? Oui, 2 ou 3 ans tout au plus, je dirais. Tu sais qu'il y a une initiation qui a complètement échoué récemment? Tu sais s'il y a une initiation qui a complètement échoué récemment? Complètement échoué? Tu veux dire qu'il n'y a aucun survivant, vraiment? Arline ne répond pas, mais l'expression de son visage en dit long. Il faut qu'on montre ça aux autres. Oui, et puis on a assez de bois pour le feu. Les deux jeunes gens retournent en silence vers le groupe. Ah, du bois, parfait. Arline crée un foyer dans le sable et allume les planches qu'ils ont récoltées avec une pierre à feu qu'elle sort de sa sacoche. Quelques minutes plus tard, de belles flammes réchauffent les corps et les esprits fatigués par la traversée. Brandon a repris connaissance et sur l'air maussade. Connor a envie de prendre la parole, mais s'il interrompt lorsqu'il aperçoit Freya et Eric qui se dirigent vers eux. On a trouvé un chemin. Il y a un escalier qui remonte le long de la falaise. Un escalier? Comment c'est possible? Je croyais que cette île était inhabitée depuis toujours. Eh bien quand même, je ne sais pas qui aurait pu venir à bout d'un tel chantier. Des centaines de marches ont été taillées dans la roche. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un chemin et je ne compte pas m'enraciner ici. Attends, je ne crois pas que ce soit judicieux de foncer comme ça tête baissée. Est-ce que les légendes parlent de cet escalier? Je ne crois pas. En tout cas, je n'ai rien lu qui en fasse mention. Mais tu as raison, ce serait peut-être pas idiot de mettre nos connaissances en commun. Que savons-nous des épreuves qui nous attendent? Freya prend soudainement la parole et semble réciter quelque chose qu'elle aurait appris par cœur. Nous devons nous rendre en haut de la montagne située au centre de cette île. Le long du chemin, nous aurons des épreuves à surmonter. Des esprits donneront la flamme sacrée à ceux qui parviennent au sommet. La flamme sacrée confère le don de double vue, de divination et de guérison à ceux qui en sont dignes. Ensuite, nous réintégrerons nos clans respectifs en tant que chamans. Freya baisse les yeux. Malheureusement, je n'en sais pas beaucoup plus. Ma mentor m'a préparé du mieux qu'elle pouvait, mais elle m'a jamais raconté ce qui s'est passé sur cette île durant son initiation. Les autres restent quoi? Je dois avouer que je n'en sais pas beaucoup plus. Leigh, le chaman de mon clan, est le seul à être revenu de son expédition. Il n'en a jamais parlé non plus. Brandon se lève et fait quelques pas en boitant. Je n'ai pas envie de mourir ici. Si quelqu'un m'avait dit... Si j'avais... Brandon s'interrompt, le regard dans le vague. Connor se lève et tapote l'épaule du charpentier. Allons, allons. On est tous dans la même galère. On ne va quand même pas te laisser tout seul ici. Avec cette blessure, je risque de beaucoup vous ralentir. Je ne voudrais quand même pas remettre en cause la réussite de tout le groupe. La blessure n'est pas très profonde et tu n'as rien cassé. D'ici demain, tu pourras marcher normalement. En attendant, on va te trouver un bâton de marche et tu pourras suivre. Freya prend un air dubitatif. Vous n'avez pas vu l'escalier. Il est extrêmement escarpé et avec la pluie, les marches vont être glissantes. Ça prend des heures si on veut faire monter Brandon par ce chemin-là. Brandon a l'air désespéré. Connor se racle discrètement la gorge. On a trouvé un bateau en bon état avec Arline en ramassant du bois. Un bateau? Tu veux dire autre chose qu'une épave? Oui, un peu plus loin derrière un rocher. La coque a l'air saine, mais la voile est déchirée. On pourrait peut-être s'en servir pour faire le tour de l'île. Vu que personne n'a entendu parler de cet escalier,
C'est qu'il y a sûrement une autre voie d'accès, non? Tu es sûr que ce bateau peut prendre la mer? Sûr, non, je ne peux pas l'affirmer. Mais je crois que Brandon est en partie. Brandon, tu serais capable de nous dire si le bateau est en état de naviguer? Oui, sans aucun problème. On est charpentier de père en fils dans ma famille. Enfin, je ne suis que le troisième fils, mais je suis tout aussi capable que mes frères aînés. Je connais bien les bateaux, on a l'habitude de ce genre de chantier. Parfait, dans ce cas, allons voir le bateau. Le groupe se met en route. Une fois arrivé à proximité de l'autre embarcation, Brandon se met immédiatement à inspecter son état. Il se penche sous la coque, puis tire une autre corde pour vérifier sa solidité. Les autres attendent patiemment que le charpentier ait fait le tour de sa question. Alors? Il y a quelques avaries à réparer si on veut s'aventurer en haute mer, mais il devrait tenir le coup si on reste près de la côte. Brandon hésite à continuer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu nous dis pas? Eh bien, je sais que c'est impossible, mais je crois que c'est comment dire, notre bateau. Connor recule quelques pas pour observer l'embarcation, et en effet, la ressemblance est frappante. Mais notre navire est là-bas, comment cela peut être notre bateau? Brandon boitille en direction de la proue et pointe un cordage du doigt. Je ne sais pas, mais regarde. Tu vois la mare, la tribord là? Elle est fendue dans la longueur comme sur le nôtre. Et là, sur le petit lac, il y a deux planches jumelles avec un obi en forme de cœur. Vous pouvez vérifier, mais je suis sûre qu'il y a exactement le même sur notre embarcation. Duncan regarde le bateau avec fascination, Arline est interloquée. Eric prend un air sombre, Brandon continue. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que notre voile va être parfaitement dimensionnée vu que les navires sont identiques. Tout ça me dit rien qui vaille. Si les bateaux sont vraiment identiques, c'est peut-être un tour que nous jouent les esprits. Ça me semble plus drôle de prendre l'escalier. Je pense qu'il ne faut pas qu'on tienne compte de ça dans notre décision. Qu'est-ce qui nous dit que les esprits ne sont pas donnés une copie de notre bateau pour nous aider? Si j'en crois les légendes, ce genre de phénomène étrange va se reproduire de plus en plus souvent à fur et à mesure qu'on approche au sommet de l'île. Mais l'escalier me semble quand même plus sûr. C'est une voie d'accès assurée vers l'intérieur des terres. Rien ne nous garantit qu'on trouve un meilleur chemin en reprenant la mer. Et d'ailleurs, on devrait se mettre en route tout de suite. Plus on attend, moins on aura avancé d'ici ce soir. Je pense qu'on est tous d'accord pour ne pas s'éterniser sur cette île. Doucement, Duncan. On va peut-être demander à tout le monde avant de prendre une décision, non? Ouais, chouchou, plot twist. Jennifer a raison. Tout le monde devrait avoir le droit de donner son avis. Freya et Eric échangent un regard. Eric fait un signe négatif de la tête. Je pense qu'il vaut mieux chercher un autre accès par la voie maritime. Cet escalier est vraiment dangereux. Il y a sûrement un chemin plus sûr. Et en plus, Brandon ne pourra pas venir avec nous si on prend l'escalier. Avec sa blessure, il va nous retarder énormément. Si vous me permettez de donner mon avis, les regards se retournent vers Brandon. Ça ne me dérange pas de rester ici. Tu renonceras à l'épreuve? Écoutez, je crois qu'il est clair pour tout le monde que je ne suis pas vraiment fait pour être chaman. J'ai promis à ma famille de faire de mon mieux pour honorer notre clan. Mais si ce n'est plus l'intention de mourir sur cette île, laissez-moi ici avec ma part de vivre et je me débrouillerai très bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Connor? Connor est pris au dépourvu, il n'a pas tellement d'habitude qu'on lui demande son avis. Oui, plaît-il? Arline et Freya veulent prendre le bateau. Eric et Duncan veulent prendre l'escalier. Brandon est d'accord pour qu'on prenne l'escalier et qu'on le laisse ici avec des vivres. Quant à toi, je pense qu'il est plus sage qu'on essaie de trouver un autre chemin. C'est à toi de nous départager, Connor. Connor hésite. S'il n'intervient pas, Eric va probablement pousser le groupe à prendre l'escalier, quitte à abandonner Brandon. Connor? Prendre le bateau, pour le coup. Je serais plutôt d'avis pour prendre le bateau. Je trouve ça vraiment dommage d'abandonner l'un des nôtres avant même de t'arrêter dans les terres. Arline, tu serais capable de récupérer la voile sur notre navire? Oui, pas de souci. Arline ne perd pas de temps et trottine jusqu'à leur épave.
Elle est ravie de se sentir utile. À vrai dire, toutes ces histoires d'esprit de flamme sacrée la perturbent un peu. Elle se hisse sur le pan, retire ses chaussures en évaluant d'un coup d'œil la hauteur du mât, puis grimpe avec agilité jusqu'à la barre de flèche. Elle se remémore avec tendresse les courses d'escalade auxquelles elle se livrait, enfin, avec ses frères et sœurs, le soir après le souper, quand les navires de pêche étaient rentrés au port et que la nuit n'était pas encore tombée. Oui, je crois que j'avais fait mais si je me souviens bien, il y a 4 ans, j'avais laissé Brandon sur la plage. Brandon. Assise à Cali, fouchant sur le gré aimant, elle commence à dénouer la voile. Leur embarcation n'est pas très sophistiquée, ce qui simplifie grandement la tâche. En dessous d'elle, Brandon est en train de récupérer le sac contenant les outils glissés sous le tilac. Hé, Brandon ! Le jeune homme lève les yeux. Tu peux réceptionner la voile ? Oui, vas-y. Brandon en attrape fermement un bout pour éviter que la toile soit emportée par la brise. Arline détache le dernier nœud, puis se laisse glisser sur le pont. On plie ? Les deux jeunes gens s'exécutent et retournent vers le groupe avec la voile et les outils. Va falloir, parce qu'il y aura sûrement un deuxième, troisième, quatrième épisode. Une fois arrivé à l'autre bateau, Brandon se met immédiatement au travail pour récupérer les principaux points de faiblesse de la coque. La blessure de Brandon semble se faire souffrir, mais il a l'air, malgré tout, beaucoup plus dans son émulement. Ça remonte un peu le moral d'Arline. Elle n'est pas la seule à se sentir complètement dépassée face à ces grands guerriers de clans du Nord qui ont l'air d'être nés pour venir sur cette île. La différence avec Brandon, c'est qu'elle n'a pas le loisir d'abandonner la première difficulté, elle. Le bien-être de sa famille dépend réellement de la réussite de son initiation. Arline se rend compte qu'elle va avoir besoin d'aide pour attacher la voile. Alors, là, pour le coup, je vais quand même avoir besoin. Est-ce qu'on demande un Connor ? Est-ce qu'on demande un Duncan ? Ou est-ce qu'on demande un Freya ? Sachant qu'il faut une aide pour attacher la voile. Allez, on demande à Freya alors. Freya est assise sur un rocher et en profite de ce moment calme pour vérifier l'appennage de ses flèches. Hé Freya ? Freya lève les yeux et Arline est frappée par le contraste entre la beauté diaphane et le regard impassible, presque glacial de la jeune femme. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que... C'est du dessin, hein. Ça va, hein. Arline ne peut pas s'empêcher de rougir. Elle s'en veut un peu de toujours porter comme ça ses émotions sur son visage comme un livre ouvert. Est-ce que tu pourrais m'aider à installer la voile ? Freya se lève d'un bond. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour t'être utile ? Dis-moi. Tu serais capable de monter en haut du mât ? Freya évalue la hauteur d'un coup d'œil, puis acquiesce d'un air assuré. Oui, aussi. J'ai pas trop regardé, à vrai dire, parce que je regardais le chat, donc... Dans ce cas, il faudrait que tu m'aides à attacher la voile à un intervalle régulier le long du rail. Regarde, je te demande comment faire. Arline exécute avec dextérité un nœud complexe. Tu vois ? Freya opine et reproduit le nœud. Fred, comme ça ? Oui, dis donc, tu te débrouilles très bien pour une débutante. Oh, j'ai l'habitude, on utilise des systèmes de nœuds pour tendre les tentes quand on doit chasser plus loin pendant l'hiver. Ah, d'accord. Merci T-Boy pour le follow. Ça fait plaisir. 80 followers ! Non, même pas. Ah non, même pas. Par contre, tu peux laisser une petite... Une...
plus petite boucle, sinon la voile ne se drapera pas bien au vent et ça fera des poches. Freya sourit. Ok, j'ai compris. Je monte la première pour démonter la voile déchirée. Il faudra que tu prennes le bout avec toi. Ça ira? Oui, oui, aucun problème. C'est bien, tu fais la remarque maintenant. Oui, elles sont en japonais et il y en a certaines qui sont traduites, mais pas toutes. Arline se met à l'œuvre. En 2 temps 3 mouvements, la voile déchirée est à terre. Freya la rejoint en haut du mât. Et l'une à tribord, l'autre à bâbord, elle tend la voile le long du gréement. Elle se recule et inspecte son travail. Brandon la rejoint. C'est bon pour la voile? Oui, tu as raison, notre voile est parfaitement dimensionnée. Et toi? Tu as pu réparer la coque? J'ai fait le strict minimum pour qu'il ne coule pas comme une brique. Mais il faudrait quelques jours de travail si on veut rejoindre la côte avec ce bateau. C'est bon? Je peux le mettre à l'eau? Arline et Brandon acquiescent. Ils ont repris la mer. Cette fois-ci, les eaux sont calmes. Une douce brise venant du large gonfle la voile. Oui, c'est ça, Fred. C'est une BD en jeu. C'est un roman graphique interactif, en quelque sorte. Une douce brise venant du large gonfle la voile. Les Andines, les esprits protecteurs de la mer, avaient décidé, cette fois-ci-là, de les laisser passer. Ils ont contourné une anse de terre vers le nord. J'ai attendu sur la baie aux baleines. Un courant clément a amené le bateau jusqu'à moi. Ils ont accosté et se sont préparés à entrer sur la lande. Freya a à peine sauté sur la plage que Duncan s'arrange déjà vers le fond de la crique. Il y a un sentier! Les autres accourent pour le rejoindre, mais Freya est fascinée par les gigantesques ossements qui façonnent le sable de la baie. Certains sont éparpillés à même le sol, d'autres sont dressés vers le ciel, tels des crocs. Elle a du mal à croire qu'un animal de cette taille aurait pu exister. Quand elle était petite, la chamane de son clan l'avait amenée avec elle en pèlerinage dans la montagne. Dans la grande pente qui retrace les origines de son clan, il y avait également des restes d'un animal de taille remarquable, mais ce n'était rien en comparaison. Gudrid lui avait expliqué que c'était le squelette d'un olifant laineux. C'est un Pokémon. C'est un Pokémon, le truc. Une bête gigantesque que les ancêtres chassaient et vénéraient à l'aube des temps. Mais il avait disparu lorsque les glaces s'était retiré du monde et que le clan avait dû choisir un nouveau totem. Freya se sent une présence derrière elle. On dirait des squelettes de baleines. Elle se retourne l'air intriguée. Des baleines? C'est une sorte de monstre? Arline rit. Non, oh, ce ne sont pas des monstres, c'est une espèce d'animal marin. Elles ne sont pas agressives. Freya a du mal à se représenter un animal. Une sorte de poisson, peut-être. On en voit parfois au large, à l'automne et au printemps. Arline prend un air sombre. Par contre, je suis surprise d'en voir autant échouer au même endroit. Elle s'approche rarement des côtes d'habitude. Tu sais, dans mon village, c'est un animal sacré. Il est interdit de le pêcher. De toute façon, pour pêcher ça, il faudrait un très gros hameçon, non? Les deux filles éclatent de rire. Arline pointe du doigt un gros seau de forme oblongue posé un peu plus loin sur le sable. J'ai jamais entendu ce mot. Ça, par contre, ça vient d'un vrai monstre marin. Ah bon? Ce n'est pas un os de baleine, ça? Non, je pense que c'est un os de sèche, mais j'en ai jamais vu d'aussi grand. Celles qu'on pêche sont toutes petites, mais celles-ci devraient vraiment être imposantes. Arline montre la taille avec ses doigts. Qu'est-ce que c'est une sèche?
C'est un peu comme un poulpe ou une pieuvre. Ce terme étrange n'évoque pas grand-chose à Freya. Comment t'expliquer? C'est une sorte de poisson avec 8 tentacules, comme des bras si tu veux, et qui marcherait sur la tête, tu vois? Arline essaie de mimer l'animal avec un succès mitigé. Freya se dit que la mer recèle bien décidément bien des mystères. Mais c'est délicieux à manger, et ça c'est vrai. C'est délicieux à manger en plus avec une bonne huile d'olive là. Et la mixture qu'on fait avec là, c'est trop bon. Les calamars à la plancha, mama, vous imaginez même pas comme c'est trop bon. Pardon. Si on réussit une session, il faudra que tu viennes me voir dans mon village. Je t'en préparerai, enfin, si tu veux. Freya s'apprête à accepter l'invitation quand elle est interrompue par Duncan. Et, vous venez? On arrive! Non, Chucho. C'est pas dans le livre, c'est pas dans le texte. Allez, viens, sinon on va se faire gronder par le chef. Le chef, tu veux dire Duncan? Oh, ne fais pas cette tête, je disais ça pour plaisanter. La chasseuse et la pêcheuse rejoignent le groupe qui s'apprête à s'engager sur un sentier qui serpente le long de la falaise. Freya constate que la pente est légèrement plus douce de ce côté, que les falaises sont beaucoup moins hautes. Rien à voir avec l'escalier qu'elle avait découvert avec Eric un peu plus tôt dans la journée. Jennifer vient de refaire le bandage sur la plaie du tibia de Brandon. La blessure ne saigne plus et semble commencer à cicatriser. Ça va aller, Brandon? Tu vas pouvoir monter? Brandon essaie de garder le visage impassible, mais on sent que les manipulations de Jennifer le font froncir. Aïe! Oui, ça devrait aller. Avec un bâton de marche, je ne devrais pas trop traîner la patte. La plaie commence déjà à se refermer. Je pense que tu peux marcher, en effet. Je vais rester avec toi pour t'aider. Duncan fait de grands gestes pour signifier aux autres de le suivre, puis il s'engage sur le chemin. Eric, puis les autres, lui emboîtent le poids. Le pas, le poids, le pas. Duncan et Connor disparaissent au détour d'un méandre du sentier. On entend un cri étouffé. Le reste du groupe presse le pas. Connor pointe du doigt une forme en haut de la côte. Freya lève les yeux. Il y a un enfant à l'entrée de la mine. Ah ah! Son petit corps est couvert d'une tunique aux motifs colorés et parfaitement immobile. Son visage dissimulé sous un masque en bois, minutieusement décoré, cache les intentions de cet être étrange. Mais le plus déroutant reste les bois de cerf qui semblent pousser en haut du crâne de cette petite être. Le groupe de jeunes gens ne sait comment réagir. L'air est comme chargé d'orage, comme si une boule de foudre divine pouvait s'abattre sur eux à tout moment. Non, 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 c'est pas lui. Lui, c'est un... Tu verras plus tard. Non, non, c'était un des... Du groupe, là, que j'ai tué. Pas lui. Lui, il fait pas partie du groupe. Connor a l'air terrifié. Les autres semblent fascinés par cette présence inattendue. Au bout d'un long moment, l'enfant fait lentement volte-face et disparaît vers l'intérieur des terres. Lorsqu'ils arrivent en haut de la côte, s'étend devant eux une grande plaine désolée, couverte d'herbes hautes et de quelques bruyères. Plus loin, dans la brume, on distingue le sommet. Soudainement, le vent se lève et fait voler les capes et les chevelures. Le soleil disparaît sous une chape aux couleurs mercurielles. L'enfant au bois de cerf s'est volatilisé. Chapitre 2. Et il y a 7 chapitres. Donc peut-être qu'on le fera, si on avance assez bien, peut-être qu'on le fera soit en 2 fois, soit en 3 fois. Vent. Ils sont avancés dans la lande sous les hurlements du vent incessant. Je les ai observés de loin. Les esprits sont plus présents maintenant à l'intérieur des terres. Je dois être prudente pour éviter de signaler ma présence. Duncan et Eric sont en tête du cortège et imposent un rythme soutenu aux autres membres de l'expédition.
Arline ferme la marche. Elle force le pas pour rejoindre Jennifer. Jennifer ? La guérisseuse se retourne vers Arline. Un sourire bienveillant éclaire son visage. Arline est impressionnée que Jennifer soit capable d'être aussi douce sans que cela n'ébranle en rien sa détermination. Ce qu'on a aperçu tout à l'heure, c'était un esprit? Oui, en tout cas, les légendes les décrivent comme ça. Tu n'as jamais entendu les histoires qu'on raconte à leur sujet? Mon père n'est pas d'ici, il vient du sud. Quant à ma mère, disons qu'elle n'a pas eu le temps de transmettre tout ça. Oh, je comprends. Tu sais ce qu'ils veulent, les esprits? Non, personne ne connaît vraiment leur intention. Ils choisissent ceux qui sont dignes de recevoir les dents, mais on ne sait ni comment, ni pourquoi. Jennifer réfléchit quelques instants. Mais pourquoi tu es venue sur l'île si tu n'as pas été préparée pour les épreuves? Je suis l'aînée d'une famille nombreuse. Je dois m'occuper de mes frères et sœurs. Quand Enid, la guérisseuse de mon village, est morte, j'ai accepté de me soumettre à l'initiation pour la remplacer. En échange, les gens du village veilleront à ce que ma famille ne manque de rien. Oui, j'imagine que ça ne doit pas être facile d'être la fille d'un étranger dans un petit village. Arline laisse entrevoir un sourire d'amertume et de résignation. Enid était la seule qui ne nous regardait pas comme des étranges bêtes. Elle m'a expliqué les rudiments, comment préparer quelques ongas. Et toi, tu n'es pas un peu trop âgée pour l'initiation? Jennifer sourit. Chucho, tu sors! Putain, tu coupes trop le truc là! Oh, je ne suis quand même pas si vieille que ça! Aline rougit de sa maladresse. Pardon, excuse-moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu as raison, je n'imaginais pas, moi non plus, que je deviendrais un jour chamane. Ah oui, pourtant tu as l'air déjà de bien t'y connaître. Si tu n'avais pas pensé la plaine Brandon, il n'aurait pas pu continuer avec nous. Oh, ce n'était pas grand-chose. Mais tu dois avoir plein de questions, non? Ça ne te dérange pas, tu es sûre? Non, au contraire, ça rendra la marche moins pénible. Si le vent pouvait retomber un peu, par contre. Oh que oui, on va avoir des oreilles plus fatiguées que les jambes si ça continue. Je t'écoute. Sur quoi puis-je essayer de t'éclairer? Alors, est-ce qu'on fait à propos des esprits, à propos de Jennifer ou à propos des autres membres de l'expédition? Est-ce que vous voulez, sur quoi vous voulez en savoir plus? Allez, on va voir les esprits alors. De toute façon, les autres membres de l'expédition, vous comprendrez les connaître après. Alors, ces enfants, sont vraiment les esprits de l'île? Oui. L'île est une sorte de porte vers le monde des esprits, si tu veux. En réalité, les esprits sont partout autour de nous, dans la nature. Le vent, les marées, même les tempêtes et les flammes, ce sont eux qui les provoquent. Ici, la frontière entre les deux mondes est particulièrement ténue, ce qui fait qu'on peut les voir. Si on reçoit la flamme sacrée, on sera lié à eux, à leur magie. D'après les légendes, les esprits que l'on voit sur cette île sont des gardiens, qui ne laissent accéder à la flamme que ceux qui en sont dignes. Des gardiens? Pourtant, ils n'ont pas l'air très bien féroces. Oh, ne te fie pas à leurs apparences. Tu ferais mieux de les considérer avec la crainte et avec la déférence qu'ils méritent. Alors, est-ce que du coup ils vous font peur ou est-ce qu'ils vous inspirent confiance? Ah oui, mais il faut choisir. Pour le coup. Faut choisir pour le coup.
Tu as peur des esprits? Bon, d'accord. Ils me font un peu peur. Même si ce n'est pas leur force physique qui m'inquiète. Il y a quelque chose de dérangeant dans leur attitude. Celui qu'on a vu en haut de la côte avec un masque. On ne peut pas les comparer à nous. Ils doivent avoir une vision du monde très différente de la nôtre. Essaie de te mettre un peu à leur place. Que ferais-tu si des inconnus s'invitaient chez toi et se servaient dans tes provisions? Oui, après ça dépend comment toi tu les vois. Arlene éclate de rire. Et en même temps, ils ont besoin de nous. Tout comme nous avons besoin d'eux. Ah bon? Pourquoi auraient-ils besoin de nous? Il leur faut des chamans pour guider les hommes, pour que l'équilibre naturel soit respecté dans notre monde. Nous deviendrons en quelque sorte leur ambassadeur après des nôtres, si toutefois ils nous guident de cette distinction. Je ne voyais pas les choses comme ça. Et nous avons besoin de leur magie et de leur sagesse. Alors du coup, est-ce que les esprits dominent ou c'est gagnant-gagnant? Perso, ça serait gagnant-gagnant pour ma part. Mais ça me semble être une relation honnête. Tout le monde est gagnant. Je ne sais pas. Mais si nous arrivons au bout de nos épreuves, peut-être que nous comprendrons mieux leur intention. Je sais qu'on va devoir surmonter des épreuves pour atteindre le sommet de l'île. Mais personne ne semble savoir réellement ce qui nous attend. Je ne sais pas grand-chose non plus. Les chamans qui ont survécu à l'initiation ne parlent pas de ce qui s'est passé sur l'île. Mais si un chaman te choisit comme successeur, il devrait te préparer au mieux qu'il peut. Ça semble un peu bizarre qu'ils ne partagent pas leurs expériences sur l'île avec leurs disciples, tu ne trouves pas? Nous n'avons pas eu de mentor, ni toi, ni moi. Mais si tu demandes à Freya ou à Nuncan, par exemple, ils te diront que leur mentor les a préparés pour l'épreuve. Sans leur dire ce qui leur attend, vraiment? Jennifer réfléchit. Je vois deux raisons possibles. Soit le fait de t'expliquer en détail le contenu de l'épreuve ne te sera d'aucune aide pour réussir, soit c'est tabou et les esprits interdisent peut-être d'en parler. Dans tous les cas, j'imagine que l'épreuve sera différente pour chacun d'entre nous. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Regarde, par exemple, Connor et Eric. Ce qui constitue une épreuve pour Connor sera sûrement une beauté pour Eric et inversement. Dans tous les cas, nous serons bientôt fixés. Autre chose? Est-ce que vous voulez savoir autre chose ou est-ce qu'on continue de marcher et on avance dans l'histoire? Qu'est-ce que tu penses de notre groupe? Notre groupe? Comment dire, tout le monde est plutôt sympathique en soi. Jennifer a l'air de chercher ses mots. Ceci dit, j'ai peur que certains d'entre nous ne soient pas suffisamment armés pour ce qui les attend. C'est sûr que Brandon n'a pas trop l'air de savoir pourquoi il est là. Oui, d'ailleurs, ça m'inquiète un peu qu'il continue avec nous. Mais ce n'est pas à lui que je pense en particulier. Connor ou Duncan? Sarah Connor. Ah putain, il fallait pas la faire celle-là.
Alors. J'avoue. Alors, Connor, c'est le. C'est le celui avec la houppette sur la tête. Chucho. C'est le. Connor, c'est le charpentier. Non, c'est pas le charpentier, c'est le. Bah, c'est celui qui est là. Ça, attends, je vais te dire qui c'est. Et Duncan, c'est celui avec les cheveux longs noirs, je crois que c'est. Si je me trompe pas, c'est compliqué. Ouais, Duncan, c'est celui qui a l'espèce de d'élastique, enfin une serre-tête autour de la tête, avec les cheveux noirs. Mais si c'est pour Connor, vas-y pour Connor, ok, pas de soucis. On y va pour Connor! Duncan, du coup, d'accord. Je me trompe pas. Duncan. Tu penses à Duncan? C'est vrai qu'il est un peu directif et impatient. Ah là! C'est celui qui est parti en avance, du coup. Oh non, Duncan a toutes ses chances de réussir, je pense. Dans ce cas-là, je ne vois pas. Freya et Rick viennent du nord. Je ne les vois pas échouer. Eh bien, pour tout avouer, en réalité, je pensais à Eric. Eric? Pourtant, il a vraiment l'air de savoir ce qu'il fait. Oui, mais il est rongé par la colère et la soif de vengeance. C'est un mélange hautement explosif. Alors, est-ce que Arline, notre navigatrice, s'inquiète ou est-ce qu'elle dit que tout ira bien? Sachant que c'est. Il a un caractère assez explosif, Eric. Je peux vous l'avouer qu'il a un caractère assez explosif. Mais la musique, en tout cas, est très très jolie pour le coup. Du coup, est-ce qu'on est à l'inertie là? Et non, je dirais que tout va bien. Ok. Je ne sais pas. J'ai envie de croire que tout ira bien. J'espère me tromper, même si. Jennifer s'interrompt, l'air déboussolé. Excuse-moi, je viens d'avoir une sorte de déjà-vu. J'avais un nom sur le bout de la langue, comme s'il manquait quelqu'un dans l'expédition. Ça me l'a fait plusieurs fois depuis qu'on est arrivé sur l'île. Pas toi? Aline réfléchit. Non, je pense pas, mais j'ai la sensation qu'on nous observe depuis qu'on a mis les pieds sur cette plage. Ceci dit, ce sont peut-être juste les esprits de l'île. Oui, peut-être. Et la musique est faite par les personnes qui ont fait le jeu indé. C'est pas des musiques piochées. C'est fait, les sons sont faits tous par un musicien, si je me trompe pas. J'ai remarqué que tu avais passé du temps avec Freya. Comment tu la trouves? J'avoue avoir un peu de mal à la cerner. Alors, est-ce que Freya, on la trouve charmante, sachant que Freya, c'est la blonde avec l'arc et ses flèches? Ou est-ce qu'elle est intimidante ou charmante? Elle a, après, pour revenir un peu plus dans le truc, faut dire que Freya avait quand même un regard assez glacial en soi. Mais peut-être que c'est qu'une a priori et que c'est qu'elle s'est fait montrer alors que peut-être pas, au final. Intimidante un peu. je ne sais pas trop. Je dois avouer qu'elle m'intimide un peu. En tout cas, vous avez l'air bien de vous entendre toutes les deux. Tu disais de devenir chamane, n'était pas ta vocation. Non, en effet. Ça fait seulement 2 ans que je ne pars en initiation. Ah, et qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur l'île? L'ombre d'une douleur enfouie passe devant les yeux de Jennifer. 10 ans que le mauvais sort s'est abattu sur mon village. Tout est allé de mal en pis et je me suis sentie impuissante.
Je me suis juré de faire en sorte de ne plus jamais me retrouver dans cette situation. J'étudiais l'herboristerie et les techniques de guérison. J'ai su rapidement que si je voulais aller au bout, il faudrait que je complète mon initiation. C'est pour ça que je me retrouve avec vous, à un âge un peu plus avancé, c'est vrai, que la plupart des gens qui viennent sur l'île. Aline souhaiterait peut-être en savoir plus, mais Jennifer n'a pas le temps d'avoir envie de s'étendre sur le sujet. Arline n'a pas le cœur de questionner Jennifer plus avant. Elle décide de changer prudemment de sujet. Les deux jeunes femmes continuent en silence. Le soleil est déjà entamé sa trajectoire descendante vers le crépuscule. Jennifer sort un linge noué en petite poche de sa besace et retire un biscuit qu'elle tend à Arline et en prend un pour elle-même. Arline accepte de bon cœur. Elle se rend compte que les notes iodées de l'océan sont moins présentes maintenant malgré les bourrasques permanentes. Au moins, on distingue une forêt qui rampe le long des contreforts du sommet de l'île. Elle se demande si elles arriveront à en atteindre l'orée de l'avant la nuit. Les arbres les protègent un peu du vent. En tête de file, Duncan tente de maintenir une cadence soutenue avec en ligne de mire cette forêt que l'on distingue au loin. Il n'y a pas vraiment de sentier qui lui indiquerait précisément quelle route emprunter, mais la lande est parsemée de mégalithes qui semblent baliser la voie. Les mégalithes, c'est les pierres. Il n'en est pas certain, mais il semble que son oncle, Light, lui en a fait mention à un moment d'errance, un soir de Lugnasad, où Duncan en avait profité de son ébriété pour le questionner sur l'île. Le chemin de pierre dressé en pierre dressée zigzague légèrement. Cependant, il lui paraît éminemment plus prudent de se fier à ses talons, à ses jalons qui les gardent, peut-être hors de portée d'un danger invisible, plutôt que de prendre la voie la plus directe vers la forêt. De mémoire d'homme, l'île est toujours restée sauvage, inhabitée, seulement visitée de temps à autre par une expédition de novices venus chercher l'agrément des esprits pour achever leur initiation magique. Duncan arrive à un mégalithe qu'il contourne par la gauche, comme le veut la coutume. Sur celui-ci, si on plisse les yeux, on distingue des entrelacs de courbes à moitié effacées par le vent et la pluie. Duncan s'imagine que ces gravures devraient probablement raconter une histoire ou, en tout cas, en révéler un peu plus sur les artisans de ces constructions. Les légendes ne représentent pas les esprits comme les bâtisseurs et encore moins comme capables ou même désireux d'ériger des monuments dans le royaume des hommes. La seule explication serait que dans les temps reculés, l'île aurait été habitée par une population permanente et de taille conséquente, plus l'ampleur de ce genre d'entreprise. Sans parler de cet escalier à flanc de falaise qu'Eric et Erika auraient trouvé. Quel genre de catastrophe aurait pu faire disparaître ces artisans et ces pierres levées? Derrière lui, il entend friant le hélé. « Duncan !» Il s'arrête puis se retourne. Freya trottine pour le rattraper. Eric les suit de près, mais ils ont pris une bonne avance sur le reste du groupe. « Oh, pardon, je n'ai pas réalisé qu'on était en train de distancer les autres. »« Non, ce n'est pas ça, regarde !» Freya pointe son doigt vers la droite. En effet, à un jet de flèche, on distingue deux de ses enfants cornu et l'un d'entre eux fait signe au groupe de s'approcher. Oui, je les vois. J'ai l'impression qu'ils nous font signe de les suivre. Oui, mais ça nous oblige à quitter le chemin des Caïrnes. Les Caïrnes? Ouais, les mégalithes. J'ai remarqué que tu guidais le groupe de pierre dressée en pierre dressée. Ton mandant t'en a parlé à toi aussi? Pas vraiment. Il en a fait vaguement mention. Ça m'est revenu à l'esprit en les voyant. Mais ça me semblerait logique de m'en servir comme repère pour avancer dans la forêt. Ah bon? Je pensais que tu savais. Gudrid, la chamane de mon clan, m'a prévenu à propos des mégalithes. C'est-à-dire? Elle m'a dit qu'il ne fallait pas en dévier. Je crois qu'il y a allé quelque chose à son expédition quand ils ont voulu s'en éloigner. Duncan regarde Freya avec curiosité. Ah oui, ta mentor t'a parlé de l'île? Bien sûr que non! Tu sais ce qui est interdit, c'est que... Tu sais que c'est interdit, mais ça n'empêche de temps en temps... Il y avait une information qui lui échappe. Exactement.
Ceci dit, si un esprit nous demande de le suivre, on ferait sûrement bien d'écouter, tu ne crois pas ? Eric l'aidait pas sans s'arrêter. Hé, les tourtereaux, on n'est pas là pour l'embiner. Attends, Eric, tu as vu ? Cette fois-ci, c'est Duncan qui pointe en direction des esprits. Oui, il y a des esprits. Et ils nous font signe de les suivre depuis tout à l'heure. Tu n'avais pas remarqué ? Freya a l'air un peu chiffonnée, comme si elle avait été atteinte dans sa fierté. Je dois avouer que j'avais les yeux surtout droit devant. Je ne suis pas méfiée. Peu importe, c'est normal qu'une femme soit moins bonne traqueuse. Voilà pourquoi je vous ai dit que je l'aimais pas. Duncan se dit qu'il pourrait lui faire remarquer que c'est Freya qui lui a montré la présence des enfants cornus, mais Eric ne lui en laisse pas le temps. De toute façon, il faut les suivre, il faut suivre les mégalithes. Les esprits essaient sûrement de nous égarer. Freya, d'une voix glaciale et articulant bien chaque syllabe, ne l'entend pas de cette même oreille. Non, je crois que nous devons faire confiance aux esprits. On devrait les suivre. Ah, on est d'accord, tu vois. Eric a la main sur son arme, l'air menaçant. Duncan doit trancher rapidement avant que l'altercation ne se déconforte dans le pugilat. Alors, est-ce que vous voulez suivre les esprits ou est-ce qu'on suit les mégalithes? Go esprit. Freya a raison. Si les esprits nous font signe de le suivre, on devrait les écouter. Après tout, il va bien falloir leur faire confiance si au final c'est eux qui décident de nous donner la flamme sacrée. Pardon. La tradition est de suivre les mégalithes. On suit les mégalithes et c'est tout. Duncan a déjà vu 100 fois ce scénario se jouer avec les grands frères au château. Eric est clairement plus fort que lui. Mais cette fois-ci, il décide que non, il ne les laissera pas intimider. Ce n'est pas toi qui décide. Connor les a rejoints. Qu'est-ce qui se passe? Il a un petit sourire en coin de l'air amusé. On vous laisse 2 minutes sans surveillance et... Eric se retourne brutalement et projette Connor à terre d'un revers de la main. Et toi, tu te mêles pas de ça. Ce n'est pas un type de la ville qui va me donner des leçons. Connor a l'air terrifié. Jennifer et Arlene rejoignent le groupe au pas de course. Brandon presse le pas malgré sa blessure pour rattraper le groupe. La guérison s'interpose entre Eric et Connor. Non, mais ça suffit. Vous n'allez quand même pas vous entretuer. Quel est le problème? On a aperçu un esprit qui nous faisait signe d'aller vers lui. Duncan jette un œil dans la direction des esprits, qui évidemment ont disparu entre temps. Freya propose qu'on les suive, et Eric voudrait qu'on continue à les suivre les mégalithes. Et toi, Duncan, qu'en penses-tu? Je pense qu'il faut suivre les esprits. Jennifer réfléchit. Vous êtes 3 personnes les plus aguerries du groupe pour l'orientation. Si personne n'a d'objection, je suis d'avis de me fier pour la majorité. Tout le monde acquiesce. Eric a l'air extrêmement en colère. Faites ce que vous voulez, je continue vers les Cairn. Eric tourne les talons et s'éloigne sans jeter un regard en arrière. Le groupe reste figé, comme impuissant à empêcher l'inévitable. Jennifer est la première à réagir. Attends! Eric se retourne, Jennifer le rejoint en trottinant. Duncan est trop loin pour entendre ce qu'ils se disent, d'autant plus que le vent est contre eux. Le temps monte pendant un moment, puis Eric finit par hocher la tête et ils reviennent vers le groupe. Personne n'a l'audace de faire la moindre remarque. Eric dit sur un ton incisif : Très bien. Mais s'il arrive quelque chose, vous ne pourrez pas dire que je ne vous aurais pas prévenu. Le groupe se remet en marche. Duncan et Connor reprennent la tête de file qui donne le reste de l'expédition dans la direction où ils ont perçu les esprits un peu plus tôt. Le vent s'est finalement décidé à tomber et ils progressent maintenant avec plus d'aisance. Vers l'arrière, Eric grommelle quelque chose à ce propos, probablement pour insister sur le fait que ça ne lui va dire rien qu'il vaille. Sur le lointain, sur leur gauche, il y a un sac de pierres dressées. Duncan plisse les yeux, regrettant de ne pas passer plus près de l'édifice pour pouvoir l'observer plus en détail. Qu'est-ce que c'est? C'est un cromlech, un cercle de pierre.
Nos ancêtres s'en servaient comme calendrier pour traquer la position des étoiles, la lune et du soleil. Duncan indique un dolmen qu'on devine au loin avec la circonférence du cercle. Tu vois, ça, c'est la porte est. Elle est placée de telle façon que le soleil se lève pile dans son encadrement le jour de l'Uta quand on regarde depuis le centre du cercle. Ça fait quand même beaucoup de travail pour un simple cadran de soleil, non? Duncan prend un air renfrogné. Non, ce n'est pas un simple cadran solaire. C'est un édifice rituel qui permet d'être en harmonie avec la nature et l'univers tout entier lors des cérémonies. C'est sûr que vous, en ville, vous préférez enfermer dans vos temples bien au chaud, bien protégés des rayons du soleil. Les deux jeunes hommes entrent dans un débat animé, continuant leur marche. Au bout d'un moment, Connor lève la tête et remarque que la forêt a l'air d'être s'éloigner depuis la dernière fois qu'on a regardé. Un peu plus loin sur la droite, il y a un cercle de pierre. Duncan est en train de délivrer une langue diatribe sur la supériorité supposée du polythéisme lorsqu'il s'aperçoit que Connor a cessé de l'écouter. Hé, tu pourrais m'écouter quand même! On n'a pas laissé ce cercle de pierre sur notre gauche tout à l'heure? Mais j'ai juré qu'on se l'ennuie de... Comment est-ce possible? Je ne sais pas, j'avais l'impression qu'on allait tout droit. Moi aussi. Le soleil ne s'est pas perdu, lui, en revanche. Oui, il va falloir tresser le camp. Dommage. J'avais bon espoir qu'on atteigne la forêt avant la nuit. On est tous fatigués entre la traversée, la tempête, la marche. On y verra plus clair demain matin. La nuit est maintenant sur eux. La lande ne foisonnant pas de bois sec, Arline et Duncan ont dressé un feu un peu timide sur l'emplacement d'un autre feu de camp plus ancien. Probablement les traces du passage d'une expédition précédente. Connor étend ses jambes fatiguées. C'est la première fois qu'il dort réellement à la belle étoile. Il, lui, est bien sûr arrivé de dormir sous un auvent ou dans une ruelle avant que le tome ne le recueille. Mais jamais ainsi dans le ciel étoyé d'une telle orbe incrustée de joyeux s'étendant à perte de vue d'un bout à l'autre de l'horizon. Le reste du groupe a l'air tout aussi fourbu, grignotant en silence une miche de pain et du fromage qui se sont partagés. Les stocks de vivres qu'ils ont emportés ne tiendront pas bien longtemps et il faudra rapidement qu'ils trouvent de quoi subsister sur l'île. Arline a terminé son repas et sort de sa sacoche une petite flûte en bois. Les membres de l'expédition qui discutaient à voix basse ou mangeaient en silence se taisent ou s'interrompent pour écouter la mélopée un peu triste et mélancolique qui s'échappe de l'instrument. La mélodie a des accents naïfs et Connor se dit qu'elle doit accompagner le texte d'une berceuse ou d'une comptine. Elle ne ressemble pas en tout cas à rien qu'ils connaissent. La musique du temple est beaucoup plus hiératique et tonitruante. Quant aux pièces d'ascente que l'on entend dans les tavernes de la ville, elles n'en dessinent pas de taille douce et nostalgique de la complète qui sort de la flûte d'Arline. Arline ferme les yeux en joie comme habitée par un recueillement d'ordre presque spirituel. Lorsque la dernière note de la mélodie s'envole dans l'air nocturne, Arline se rend compte que tout le monde l'observe en silence. Elle rougit un peu. Oh pardon, je ne voulais pas vous couper dans vos discussions. Brandon la regarde d'un air interrogatif. C'est étonnant qu'on vienne de la même région et pourtant je ne connais pas cette chanson. Où te l'as-tu apprise? C'est mon père qui me l'a apprise. Il vient du sud, c'est normal que vous ne connaissiez pas cet air. Quand il est sur les routes, je la joue pour mes frères et sœurs. En tout cas, tu joues drôlement bien. Je t'assure que tu n'as rien à envoyer aux troubadours de la capitale. Arline esquisse un petit sourire gêné. Merci. Jennifer sourit. Tu peux en jouer une autre? Ta flûte a vraiment un son apaisant et puis ça m'aide à réfléchir. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il faut que j'organise mes pensées. Il y a quelque chose. Jennifer se tourne vers le groupe. Je ne sais pas, mais j'ai un peu cette sensation d'avoir un mot sur le bout de la langue, sans pouvoir le retrouver. Certains acquiescent, d'autres regardent Jennifer d'un air étonné. Eric s'allonge et tourne le dos au foyer, grommelant qu'on ferait mieux de prendre des forces. Que ça ne l'empêchera pas de dormir, mais que bon. Aline reprend sa flûte. Connor l'écoute d'une oreille distraite avant de se rendre compte que Jennifer fixe les flammes avec une étrange intensité.
Pendant un moment, le groupe se laisse bercer par les notes mystérieuses et enchanteresses de la flûte d'Arline. Puis elle ouvre les yeux et cesse de jouer. Jennifer continue de fixer la flamme qui a inexplicablement redoublé d'ardeur. Elle tourne les yeux vers l'obscurité, vers le vide de la lande. Puis elle se tourne vers Arline. Fais attention aux murmures dans la nuit. Es-tu sûre d'être maîtresse de tes choix ? Arline ne sait pas comment réagir. Jennifer, ça va ? Jennifer fixe la nuit. Tu n'es pas digne de la flamme. Le nœud a beau se nouer et se dénouer, tu n'y changeras rien. Accepte ton destin et laisse-nous partir. Connor prend Jennifer par le bras et la secoue délicatement. Jennifer ? Elle semble déboussolée un court instant puis sourit. Oui ? À qui parlais-tu ? Moi ? À personne ? J'écoutais juste Arline. Merci Arline, c'était superbe. Tu ne te souviens pas ? L'étonnement de Jennifer s'est changé peu à peu en inquiétude. De quoi ne me souviendrai-je pas ? Connor se tourne vers les autres, espérant que quelqu'un sache quoi faire. Les autres semblent aussi perdus que lui. Tu as dit quelque chose à propos d'un nœud et de la flamme, tu ne te rappelles pas ? Non, vraiment, je suis désolée, ça doit être la fatigue. On est tous fatigués, mais est-ce que je suis vraiment le seul à avoir été un peu chamboulé par ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je veux dire, certains d'entre vous ont été préparés à ce voyage sur l'île. Je sais que je viens de la ville, d'ailleurs on m'a pas manqué de me faire remarquer plus ou moins lourdement. Connor jette un coup d'œil à côté d'Eric qui semble être endormi entre temps. Écoute Connor, on a peut-être été un peu mieux préparés à devenir chaman, mais nous n'en savons pas plus que toi. Ce qui se passe sur cette île est tabou, nos prédécesseurs n'avaient pas le droit d'en parler. Tout comme nous, nous en aurons l'interdiction. Enfin, ceux qui parviendront à atteindre le sommet et qui recevront la flamme. J'imagine que tout deviendra clair à un moment donné. Mais en attendant, on est obligé de faire confiance aux esprits. Ce n'est pas comme si nous avions le choix. Freya a raison. On ferait mieux de se reposer. Ce n'est pas en veillant que nous retrouverons des réponses. Jennifer s'allonge le long du foyer et ferme les yeux. Les autres font de même. Connor reste un moment à contempler les flammes. Cet univers étrange, peuplé d'esprits, de cairns et de monstres marins, est décidément bien loin du quotidien du temple. Les étendues sauvages de l'île l'intimideraient presque. Après tant d'années dans sa cellule, les jours rythmés par l'invacable tintement des cloches du temple, il ne comprend toujours pas pourquoi il était envoyé là. A-t-il vraiment une mission à accomplir? Un rôle capital pour renforcer l'hégémonie du temple? Ou a-t-il simplement été envoyé ici parce que les circonstances séculaires ne savaient pas quoi faire de lui? Connor hausse ses épaules par réflexe. Puis il se pelotonne près du feu pour tenter lui aussi de trouver le sommeil. J'ai observé la flamme devenir braise. Je me suis cachée pour éviter la confrontation avec les esprits qui sillonnaient la lande aux petites heures de la nuit. Je ne suis pas encore prête. Lorsqu'ils se sont approchés de l'expédition, profitant de leur torpeur toute humaine, je suis retournée sur la plage aux baleines. Ici, aux confins de mon domaine, je suis presque transparente, légère, telle une sylphe à qui on aurait ôté les ailes. Mais le reflet de la lune, sur les vagues océanes, l'air iodé au parfum si vif dans ma mémoire, agit sur ma lassitude comme une promesse de liberté renouvelée. Lorsque je suis certaine que les esprits ont fini l'inspection de la chair, je me retourne à la lande pour veiller sur mes éventuels sauveurs. Il manque Jennifer. Les esprits ont dû s'emparer d'elle pour la séparer du groupe. Au loin, dans la pénombre, morte dorée qui précède le lever du soleil, je l'entrevois se diriger vers le cercle de pierre. On réveille qui, du coup ? Est-ce qu'on réveille Duncan, Arline, Connor ou Freya ? Je dirais soit Arline, soit Freya, mais je serais plus tentée de dire Arline, pour le coup. Ouais, Arline. Le rêve d'Arline est empli de nuit et de sel.
Elle est à la merci d'une mer indistincte de visage, une sueur glaciale perlant sur son front. Refred ! D'une caresse fantomatique qui rejoint à quitter les ténèbres du dedans et à s'extraire du royaume souterrain. Elle ouvre les yeux paniqués. Les autres membres du groupe semblent dormir à poings fermés. Elle réalise que Jennifer a disparu, laissant derrière elle ses affaires. Elle hésite à réveiller les autres, mais dans son intuition, lui dit que pas le temps presse. Qu'il est peut-être déjà trop tard. Elle se lève et court vers le grand Mlèche. Je la suis, oubliant mes propres mesures de précaution. À mesure que l'on approche du grand Mlèche, l'air semble se changer d'une odeur de tonnerre. Arline peut presque goûter l'arôme métallique de la foudre. Jennifer est au sein du cercle et se dirige vers les enfants étranges qui viennent à sa rencontre de l'autre côté. Il est trop tard. Ce qui doit arriver, va arriver. Arline est à la limite du Cromlech. Après un instant d'hésitation, elle en franchit la limite, puis reprend sa course vers son femme. Jennifer a rejoint les enfants, tend une main vers eux. Il y a un flash lumineux, puis le vide. Jennifer et les esprits ont disparu. Arline sent une présence derrière elle. Ma présence. Elle se retourne. Elle me reconnaît. Durant cette fraction de seconde, pendant laquelle le temps semble s'être arrêté, tout est subitement clair. Limpide. Elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais la vague de magie vient se briser sur les bords du Cromlech et reflue vers la source, emportant avec elle la clairvoyance de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui sera. Je suis à nouveau invisible. Arline reste un long moment là, essayant de se souvenir. Puis elle repose chemin, un poids sur le cœur. Lorsqu'elle arrive au Camoin, le groupe est en ébullition. Freya est réveillée par une main sur son épaule. Elle ouvre les yeux désorientés. Elle reste quelques instants entre cet entre-deux, entre le sommeil et l'éveil. Des images d'yeux bleus glaciers, des cheveux bruns et un poids de cerf qui danse devant ses yeux. Duncan est accroupi à côté d'elle, l'air inquiet. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Jennifer, elle a disparu. Freya est maintenant bien réveillée. Jennifer, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le groupe est en effervescence, tout le monde est en train de ranger ses affaires respectives pendant qu'Arline disperse les restes du feu. Freya a un peu la honte de ne pas avoir été réveillée par tant d'activités autour d'elle. Duncan la met au courant des événements de la nuit. La disparition de Jennifer, des esprits, la jeune femme qu'Arline a entrevue dans le Cromlech. Quand je vous disais qu'on ne peut pas faire confiance aux esprits, je suis sûre qu'ils vont tout faire pour nous séparer et nous faire disparaître les uns après les autres. Tu as sûrement raison. Je ne sais pas quoi penser de ce que j'ai vu hier soir. Jennifer, elle avait l'air comme hypnotisée par les esprits. Une lueur de colère traverse un instant les yeux d'Arline. Si les esprits étaient vraiment là pour nous guider, ils n'enlèveraient pas l'une des nôtres comme ça sans explication. Connor a l'air agité, en proie au doute. De toute façon, il faut qu'on continue. Je ne crois pas qu'il soit vraiment utile d'attendre que Jennifer revienne. Arline pointe du doigt la sacoche que Jennifer a abandonnée la veille. Qu'est-ce qu'on fait de ces affaires ? Je pense qu'il faut au moins se partager les vivres. Arline hoche la tête et entreprend de vider le sac de Jennifer. Chacun s'approche à son tour de rôle pour prendre un des linges qui contiennent des fruits secs, du pain ou de la viande séchée. Au fond du sac, Arline trouve un petit peigne en os, une pierre à feu, puis hésite avant d'annoter une poupée en chiffon. Jennifer avait des enfants. On a discuté ensemble hier soir, pendant la marche. Elle n'a pas parlé d'enfants, mais elle est mariée. Elle a parlé d'une peste qui se serait abattue sur son village. Elle a peut-être gardé la poupée en souvenir. Peut-être, ou alors sa fille lui a demandé de la prendre avec elle, comme porte-bonheur. Ma petite sœur voulait que l'on prenne un petit cheval en bois, son jouet préféré, quand je suis partie de mon village. Eric manifeste des signes d'impatience. Bon, on s'est partagé les vivres, on devait se remettre en route. Connor s'apprête à faire une remarque, mais se ravise. D'accord, qu'est-ce qu'on fait des autres affaires ? Alors, est-ce que Freya prend la poupée ou est-ce qu'elle la laisse là ? Je pense que du coup,
On le finira ensemble en 3 lives, je pense qu'on va faire ça. On le finira dans la semaine prochaine. Freya soupire. Je vais prendre ses affaires. On ne sait jamais. Si jamais on retrouve Jennifer, elle sera sûrement contente qu'on les ait gardées. Si elle a pris cette poupée avec elle, c'est qu'elle doit être importante pour elle. Tu es sûre? Ça ne nous arrange pas de la prendre avec moi. Est-ce que du coup, c'est on la donne à Arline? Enfin, est-ce que Freya la garde avec elle ou est-ce qu'elle la donne à Arline? J'aurais dit que c'était plus pour Arline, parce que c'est Arline. Pour moi, c'est plus Arline qui reste avec elle. Comme tu veux, si tu préfères la prendre, toi, ça me dérange pas. Arline opine puis range ses quelques effets de Jennifer dans sa besace. Le groupe finit par s'embrasser ses affaires et se remet en route. Freya jette un œil derrière elle vers le Cromlech. L'espace d'un instant, elle croit apercevoir comme une silhouette disparaît derrière la pierre. Un esprit? Elle hausse les épaules, puis presse le pas pour attraper la queue de fil. On va faire chapitre 3. Chêne. L'orée de la forêt, qui semblait inatteignable la veille, s'est considérablement rapprochée. Je vous assure qu'à partir de là, je ne connais pas la suite, parce que je n'ai fait que les deux premiers chapitres. Oh là là! Je les ai observés pénétrer dans les chaînes séculaires sous une canopée touffue de branches tordues et de racines noueuses. Le couvert des arbres me permet de me rapprocher du groupe et limite le risque de me retrouver nez à nez avec l'un des esprits gardiens. Les esprits sylvains ne sont pas une menace pour moi, ils sont trop préoccupés par la recherche du soleil et de la rosée matinale. Duncan a encore une fois pris la tête du cortège, mais semble préoccupé. Il laisse les autres les dépasser et attend qu'Arline le rejoigne. Tu as regardé la poupée de Jennifer? Oui, je n'avais pas le cœur de la laisser. J'ai des frères et sœurs et je sais à quel point ce genre d'objet peut être important pour un enfant. Tu n'avais pas de jouet préféré, toi, quand tu étais petit? Le visage de Duncan se durcit. Non. Ma famille ne tolère pas ce genre d'aveu de faiblesse, même chez les enfants. Arline semble interloquée. Duncan décide de changer de sujet. Alors, est-ce que... En fait, Jennifer a perdu un enfant, ou est-ce que... En fait, est-ce que Jennifer a perdu son enfant, ou est-ce qu'il attend chez elle? Est-ce que pour vous, elle a perdu un enfant récemment ou elle a un enfant? Tu crois que Jennifer a un enfant qui l'entend chez elle? Je ne sais pas si on pourrait espérer que c'est le cas, si on doit espérer que c'est le cas. Vu ce qui est arrivé à Jennifer, sa disparition, il vaut peut-être mieux que personne n'attende qu'elle revienne. Et puis, elle m'a dit qu'une fièvre s'était abattue sur son village. Une fièvre? Je connais le village de Jennifer, qui n'est pas très loin de chez moi. Arline et Duncan se tournent vers Brandon, s'étaient approchés d'eux et écoutaient d'une oreille attentive. On faisait du commerce avec eux, c'était un village de bergers dans les hauteurs. C'était il y a 2 ans, si je me rappelle bien, il y a eu une épidémie. Le bourgmestre de chez nous a rassemblé tout le monde sur la place du marché pour nous prévenir. Apparemment, une peste a emporté quasiment tout leur village. Depuis, c'est devenu un village fantôme, plus personne n'y monte de chez nous. Si Jennifer avait une petite fille, elle est sûrement morte. Je comprends mieux. Je pense que c'est ce qui a dû se passer, en effet. La jambe de Brandon n'a plus l'air de faire souffrir et il maintient la cadence de marche beaucoup plus aisément que la veille. Arline semble remarquer. Ta blessure, ça va? Brandon sourit. Tu vois, je gambade comme un chevreuil. C'est grâce à Jennifer si j'ai pu continuer avec vous. Ça fait beaucoup de peine qu'elle ait été prise par les esprits. D'ailleurs, ça m'étonne beaucoup qu'elle ne soit pas au bout de l'épreuve. Oui,
De nous tous, j'étais persuadée que c'était elle qui avait le plus de chances de réussir les épreuves. Tu étais dans le Gromlech quand elle a disparu. Gromlech. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'essayais de l'appeler, mais c'était comme si elle ne m'entendait pas. Comme si les esprits l'avaient ensorcelée. Et puis il y a eu l'apparition de cette fille étrange avec les cornes. Comme si je la connaissais. Alors que je suis persuadée de ne jamais l'avoir rencontrée. Un peu comme un mot qu'on aurait sur le bout des lèvres. Exactement. Mais moi aussi j'ai eu cette sensation. Quand tu en as parlé ce matin, c'était un peu comme un rêve dont on se rappelle parfaitement au réveil. Et qui deviendrait de plus en plus flou quand on essaie de s'en rappeler plus précisément. Leur conversation est interrompue par une altercation à l'avant de la file. Il y a un cri. Arline laisse échapper un Eric entre ses dents. Duncan et elle échappent un regard et pressent le pas pour rejoindre les autres. Voilà! On y arrive! Le moment d'intercation est le moment où Eric meurt. Alors est-ce que du coup on fait la même? Au détour d'un coude, dans le sentier qui serpente entre les cairns, Duncan débouche sur une petite clairière. Connor est au sol et protège son visage avec ses avant-bras. Eric est penché au-dessus de lui, l'épée à la main. Hé! Eric reporte son intention vers Duncan, l'air furieux. Connor en profite pour ramper hors de portée de la lame et se relève prestement. Non, attends, parce que le choix peut être différent. Duncan! Connor pointe son doigt vers Eric. Il m'a attaqué sans raison. Eric est écarlate. Sans raison, vraiment! Est-ce qu'on demande des explications, on calme Eric ou on raisonne Connor? Là, j'avais fait quoi? Là, je voulais choisir parce que moi, je sais plus trop ce que j'avais choisi. Mais j'ai une petite idée. Eric, range ton arme, s'il te plaît. Il n'y a pas d'honneur à s'attaquer à plus faible que soi. Eric se détourne vers Duncan. Vous êtes vraiment aveugle, tous autant que vous êtes. Tu ne vois pas que c'est un envoyé du temple, c'est un traître. Il n'a pas le droit de fouler le sol de ce lieu sacré. Freya est entrée dans la carrière et s'approche de Duncan. Tout le monde est libre de tenter une initiation. C'est aux esprits de juger s'il est digne de recevoir la flamme ou pas. Eric transperce Fayan en regard noir. Même toi, tu t'es laissé séduire par ces belles paroles de cet hérétique. Dire que tu m'avais presque convaincu, tu étais une vraie chasseuse digne des clans du Nord, Freya. Eric crache par terre. Vous n'êtes qu'une bande de débiles, d'imbéciles. Vous croyez vraiment qu'il est là pour l'initiation? Il se fiche de nos traditions. Le temple l'a envoyé pour nous détruire notre magie et imposer leur culte à du dieu unique. Connor se racle la gorge. Écoute, Eric. Je suis désolée pour ce qui est arrivé à Jennifer, mais... Sans prévenir, le guerrier laisse échapper un hurlement rauque et charge le citadin. Connor l'esquive de justesse avec une pirouette, mais se prend le pied dans la racine et tombe à terre. Freya se suicide son arc. Eric lève sa lame, bien décidé à l'abattre sur le crâne de Connor. Duncan est tout content que son courage a tout juste le temps de s'imposer. Il parvient à éviter la trajectoire de la lame, mais la puissance de l'impact fait voler son bouclier. Connor se relève et recule jusqu'à l'aune de la clairière. Arline, qui découvre la scène, le rejoint. Elle se garde bien d'intervenir, sachant que tout ce qu'elle tenterait d'accomplir ne ferait que mettre de l'huile sur le feu. La rage qu'Eric s'est changée en une colère froide. Les deux hommes se jaugent. Duncan soutient le regard intimidant de la montagne de muscles qui lui fait face. Il sait que s'il tente de s'imposer, Eric interprétera son obstination comme un manque de défi. Mais peut-être qu'Eric n'a vraiment pas l'intention de tuer Connor. Peut-être que son intention et celle de Freya ont été suffisantes pour que le convaincre de faire preuve de clémence.
Alors, est-ce qu'on le laisse passer ou est-ce qu'on défie. Est-ce que Duncan défie Eric ou est-ce que Duncan laisse Eric passer? Bonne question. Je sais plus ce que j'ai fait là. Du tout, je sais plus du tout ce que j'ai fait. Refred! Je te rappelle que Larousse c'est un mec qui s'appelle Eric, mais c'est pas grave. Bon, on va se fier au truc de Fred, hein. Duncan décide qu'il ne peut pas prendre le risque de laisser Connor à la merci du guerrier du Nord. Il est déterminé à combattre. Ah, de suite. Duncan, hâte-toi de mon chemin. Duncan crispe sa main sur le pommeau de son glaive. Les deux hommes se dévisagent. Il sait qu'Eric a pris sa décision. Que quoi qu'il arrive, le sang doit maintenant être versé. Sinon, ce serait un déshonneur pour lui et pour son clan. Eric laisse échapper un rire tonitruant. Soit. Si tu veux vraiment perdre la vie pour un sombre clopeur du temple, c'est ton choix. Freya, qui avait bandé son arc, voyant que la situation est en train de changer, un duel singulier, baisse son arc et attend l'issue du combat. Duncan serre les dents. Il sait qu'il ne fera pas le poids contre son adversaire, mais ne peut plus reculer. Eric lève sa lame et fait un geste ample en direction du côté droit de Duncan, tentant la frappe à l'envers. Duncan part le coup de son épée, mais l'impact est trop puissant et l'envoie valdinguer au sol. Eric a un sourire amusé. Il laisse Duncan se relever avant de frapper à nouveau. Cette fois-ci, Duncan tient bon et retourne une attaque à la pointe de sa lame qu'Eric active d'un pas de côté. Les deux hommes échangent plusieurs volées de coups. Eric est à peine essoufflé, mais Duncan s'épuise rapidement. Si je n'interviens pas, l'issue est évidente. Eric va très certainement tuer Duncan puis s'attaquer à Connor. Si Freya intervient, elle subira probablement le même sort. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour éviter ce bain de sang. Forcer Freya à tirer ou aider Duncan? Est-ce que vous voulez voir la scène avec Duncan et l'esprit? Ou est-ce que vous voulez voir Freya avec l'esprit? Moi, je sais comment est la scène avec Freya, mais... Enfin, je pense savoir comment sera la scène avec Freya. Mais c'est vous qui choisissez. Ok. Je m'approche des combattants. Duncan perd un peu du terrain. Il ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Un coup particulièrement puissant lui fait perdre ses appuis. Eric lève sa lame vers le ciel. Si elle retombe, c'en est fini, Duncan. Et il y a un moment de flottement. Duncan pèse les yeux résignés. Il sait qu'il a une ouverture, mais s'il n'arrive pas à se résoudre, à prendre la vie d'Eric. Duncan, si je ne fais pas quelque chose, il se laissera plus volontiers mourir plutôt que de donner sa mort. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas le laisser se sacrifier inutilement, pas maintenant. Sans hésitation, je m'empare de la main de Duncan et plonge son glaive vers la pointe d'Eric. Vers la poitrine d'Eric. De surprise, plus que de douleur, Eric lâche son épée. La montagne de muscles chancelle puis pose un genou à terre. Duncan se met hors de portée en faisant une roulade. Les deux hommes se dévisagent. Eric semble ne pas vouloir se résigner à ce qu'il est en train d'arriver. Le sang coule à profusion sur sa poitrine. Il lève les yeux au ciel en quête peut-être d'un signe des esprits. Puis il s'effondre dans l'herbe de la clairière. Arlyn s'avance prudemment. Connor la suit en traînant du pied. Duncan s'est assis, les yeux dans le vague et l'air profondément hagard.
Il a une coupure à l'épaule. Derrière lui, le corps d'Eric est parfaitement immobile. Arline réprime un frisson. D'un côté, elle comprend parfaitement comment la situation a pu s'envenimer. Elle en a l'habitude des primades en tant que fille d'étranger, mais dans un petit village de pêcheurs. Elle a plus d'une fois rêvé de répondre aux insultes, aux regards condescendants et autres injustices. Mais elle s'est toujours abstenue par crainte des répercussions qu'auraient pu subvenir à ses frères et sœurs. Elle s'accroupit d'abord aux côtés d'Eric. Il est parfaitement éboli, pas de respiration, pas de pouls. Harley ne peut malheureusement rien faire pour lui. Elle se retourne vers Duncan pour voir s'il a besoin de soins. Elle regrette que Jennifer ne soit pas là. Il a une entaille sur l'épaule, mais elle ne semble pas profonde. Connor finit par dire « Je suis désolé. » Alors, est-ce que c'était inévitable lorsqu'on lui pose la question de comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Arline se tourne vers Connor, l'air un peu énervé. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? On vous perd de vue 2 minutes et... Arline laisse échapper un long soupir. On était tous les deux en tête de file avec Eric. Je ne me suis pas rendu compte qu'on vous avait distancé. Il est venu me chercher des noises alors que je ne lui demande rien. Vraiment? Tu es sûr que tu n'as rien fait pour le provoquer? Bien sûr que non. Je ne suis pas idiot, j'ai vu à quelle vitesse ça a failli dégénérer hier. Duncan se relève avec difficulté. Ses muscles doivent le faire souffrir après le combat contre Eric. Bon, soit. Ceci dit, je pense qu'il est grand temps que nous explique ce que tu fais ici. Ce que je fais ici, je suis venu faire mon initiation magique comme vous tous. Peu importe cette intention, Duncan, c'est les esprits qui jugeront. Duncan lève un sourcil interloqué. Tu n'as pas envie de savoir pourquoi un type qui ne vénère même pas les mêmes... Dieu que nous risque sa vie pour devenir chaman. Alors, est-ce qu'on défend Connor ou est-ce qu'on le laisse tout seul? Ou est-ce qu'on le laisse se défendre? Allez. Arline décide de laisser Connor se défendre tout seul. Freya répond. Bien sûr que je suis curieuse, mais ses motivations n'appartiennent qu'à lui. Duncan s'apprête à rétorquer, mais Connor le coupe. Tu as raison, vous avez le droit à une explication, surtout après. Connor lance un regard vers le corps d'Eric. Surtout après ce qui vient de se produire. Je vais être franc avec vous. Oui, le temps m'a bien envoyé pour espionner ce qui se passait sur l'île. Duncan ouvre la bouche, mais Connor lui intime de faire un mouvement de la main. Mais je fais partie de cette expédition aujourd'hui. C'est surtout parce qu'ils ne verseront aucune larme si, d'aventure, je ne revenais pas. Je suis un enfant des rues. Si le temple ne m'avait pas recueilli comme beaucoup d'autres orphelins, j'aurais sûrement mal tourné. Ou alors j'aurais fini par me faire tuer, soit par un autre médium, soit par un hiver trop rigoureux. Vous me connaissez un peu maintenant. Vous avez dû vous rendre compte que je ne suis pas fait pour devenir prêtre et encore moins pour devenir une garde du temple. C'est pour ça qu'il a fallu m'envoyer quelqu'un sur cette île. C'est toi qu'ils ont choisi? Voilà. Simplement parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. Très bien. Imaginons que tu réussisses l'initiation. Que feras-tu avec le savoir et les dons qui t'auront été transmis? Connor prend une grande inspiration. Honnêtement, je ne sais pas. Mais si j'ai bien compris, les esprits ne me laisseront prendre cette flamme sacrée
que si j'en suis digne. Tout à fait. Dans ce cas, j'imagine que si je suis digne aux yeux des esprits, c'est que je ne vais pas les trahir. Et à l'inverse, si je ne suis pas digne, je ne me terminerai de toute façon pas l'ascension, n'est-ce pas? Ça paraît logique. Donc vous n'avez rien à craindre. Duncan n'a pas l'air totalement convaincu. De toute façon, qu'on le veuille ou non, Connor fait partie de notre expédition. Plutôt que de nous chamailler sur qui mérite de plus d'être ici, on devrait s'occuper de... d'Eric, vous croyez pas? Oui, il faut respecter les rites. S'il est mort au combat, la moindre des choses, c'est d'honorer sa mémoire. Nous devons lui ériger un bûcher funéraire. Ça va nous prendre un temps infini. On peut pas l'enterrer plutôt? Non. Ce n'est pas la tradition. Et puis, comment comptes-tu t'y prendre pour creuser une tombe? On n'a pas les outils. Regardez! Une procession de petits êtres s'est introduite dans la clairière. Ils sont accompagnés d'un grand cerf blanc au pelage immaculé. Ils regardent dans ma direction, mais ne semblent pas vouloir s'attaquer à moi. Du moins, pour l'instant. Ils entourent le corps d'Eric et s'agenouillent avec un air de profond recueillement. Arline fait un pas en avant avec l'intention de leur parler. Freya lui attrape le bras et d'un regard lui intime de rester à distance. Les esprits ont chargé le corps sur le dos du cerf et s'apprêtent à disparaître dans les arbres. Je pourrais me servir d'Arline pour leur demander des comptes ou au moins des explications. Mais cela pourrait nous mettre, elle et moi, en danger. Je ne suis pas certaine de ce que risque mérite d'être pris. Est-ce que du coup, on pousse Arline à interagir avec les esprits ou on laisse les esprits s'en aller? Ben, en gros, en fait, c'était un espion, en fait. À la base. De ce qu'ils disent. On interagit avec eux. Allez. Arline dégage son bras de la pointe de Freya et court vers les esprits avant que les autres aient le temps de finir de la retenir. Et l'un d'entre eux s'approche d'Arline et lui fait signe de s'arrêter. Stop. La voix étrange qui émane de derrière le masque arrête Arline dans son élan. Elle sonne comme un tintement de clochette, comme si le bruit du vent dans les feuilles doublait d'une sorte d'écho d'un grognement souterrain. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Tu parles d'une voix qui n'est pas la tienne. Je n'ai aucun compte à rendre à cette voix. Cet homme n'aurait pas dû mourir, pas aujourd'hui. L'esprit retourne les talons et rejoint la procession qui quitte la clairière, emportant avec elle le corps d'Eric. Ils sont bientôt engloutis par la végétation. Le groupe se retrouve dans la solitude de la forêt. C'est Brandon qui brise le silence. J'abandonne. Les regards se retournent vers lui étonnés. Comment ça, tu abandonnes? Je vais retourner sur la plage et réparer le bateau. Alors, est-ce qu'il continue avec nous ou est-ce qu'on lui dit que c'est une bonne idée? Bon, on continue. Allez, on le fait continuer. C'est selon ton avis, hein. Arline s'approche et met sa main sur l'épaule de Brandon. Tu devrais continuer avec nous. Brandon soupire. Non, je suis désolé, mais ma décision est prise. J'ai déjà failli rebrousser chemin après Jennifer. Mais cette fois-ci, c'est trop dur pour moi. Tu vas réussir à trouver ton chemin jusqu'à la plage? Oui, je pense. Il y a quoi, un jour et demi, deux jours de marche maximum? En suivant les mégalithes dans l'autre sens, je devrais m'en tirer.
On va te donner de quoi manger pour le retour. Le groupe partage les vivres qui lui restent avec Brandon. Il nous reste assez pour le repas de ce soir, mais il faudra chasser demain. Arline sourit. Ou pêcher? Il doit y avoir des cours d'eau. Je parie que je peux attraper un saumon ou une truite. Brandon éclate de rire. Bon, au moins vous aurez de quoi vous procurer de la viande ou du poisson. Pensez à moi quand vous casserez la croûte. Je vais encore devoir tenir 2 jours avec du pain et des sacs de fruits séchés. Comment vas-tu faire quand tu auras épuisé ce qu'on t'a donné? Oh, ne vous inquiétez pas, je sais pêcher aussi. Non, non, mais après, si t'entends, si t'écoutes, c'est bon, hein. Je vous attendrai autant que je le pourrai sur la plage. Le bateau sera en état pour vous ramener sur le continent si vous... Enfin, si vous revenez. J'ai bien l'intention de revenir. Arline, Freya et Duncan acquiescent silencieusement. Bon. La journée est déjà bien entamée. Si je vais atteindre la plage d'ici demain soir, il ne faut pas que je me retarde. Duncan t'a la main vers Brandon qui la serre. Sois prudent. Arline a les larmes aux yeux. Se laissant submerger par l'émotion, elle prend Brandon dans ses bras et le serre fort. Elle aime décidément pas le départ. Oula, doucement. J'ai déjà une blessure de guerre au mollet. Ce n'est pas la peine de me casser une côte en prime. Arline rigole puis sèche ses larmes. Ne nous attends pas trop longtemps, d'accord? Si on n'est pas revenu dans une semaine, tu mets les voiles, promis? Brandon acquiesce. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Soyez prudents, vous aussi. Brandon tourne les talons et s'engage vers le sentier. Les 4 membres restants de l'expédition le regardent disparaître entre les arbres. Il reste un long moment dans la clairière, attendant que peut-être un poussement de Brandon change d'avis et ne revienne. Puis ils reprennent leur route. Duncan prend naturellement la tête de file et Freya lui emboîte le pas. La reprise de la marche est un peu douloureuse pour ses muscles fatigués, mais elle prend sur elle. Petit à petit, un pas après l'autre, elle entre dans une routine et laisse son esprit s'égarer. Elle se remémore le combat de Duncan et d'Eric. Quelque chose la siphonne, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Elle presse le pas pour rejoindre Duncan. Duncan ? Lui aussi semble plonger dans ses pensées. Oui ? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je peux te parler une minute ? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ? Quand tu t'es battu avec Eric, il était sur le point de donner un coup de grâce. Oui, j'ai bien cru que j'allais mourir. Freya fronce les sourcils. Justement, tu avais baissé ton âme. Comme si tu renonçais à combattre. Duncan allait perturber. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que quelque chose ou quelqu'un avait guidé ta main pour donner le coup fatal à Eric. Pousser Duncan à mentir, ne pas intervenir. Duncan prend un temps de réflexion. Oui, c'est exactement ça. J'étais prêt à mourir. Tu vas sûrement me trouver lâche, mais je ne voulais pas prendre la vie d'Eric. Quand il m'a mis à terre, j'ai complètement renoncé. Là où, au moment où Eric allait m'achever, c'est comme si quelqu'un avait pris ma main et avait planté mon épée dans la poitrine d'Eric. Ils font quelques pas en silence. Freya a l'air d'être dans un moment d'intense réflexion, comme si elle faisait le rapprochement entre plusieurs informations isolées. Soudainement, elle se retourne vers Duncan, le faisant presque sursauter. Tu n'as pas l'impression d'entendre comme une petite voix dans ta tête ? Comment ça ? Comme si quelqu'un te disait quoi faire ou quoi dire. Freya tourne la tête de l'autre côté. Oublie ce que je viens de dire, c'est sûrement une bêtise. Non, non, maintenant que tu me le dis, oui, j'ai l'impression aussi depuis qu'on a mis les pieds sur cette île. Et tu crois que cette petite voix, comme tu dis, qui m'a poussé à tuer Eric ? Qui d'autre ? Je ne crois pas que ça vienne des esprits. Non, je ne crois pas non plus. Quand ils sont venus chercher le corps d'Eric, ils avaient l'air hébétés par tout ce qui s'est passé. Duncan réfléchit. Oui, avec leur masque, il est difficile de lire leurs intentions. Mais c'est ce qui m'a semblé aussi. Et tu as entendu ce qu'ils ont dit à Erline ? Qu'Eric n'aurait pas dû mourir. Tu crois que ça pourrait être la fille qu'Erline a vue cette nuit, dans le Grand Blèche ? Disons que c'est mon intuition. Mais dans ce cas, pourquoi elle en voudrait à Eric ? Je ne sais pas. À moins que... Freya reste silencieuse à un moment.
À moins que quoi? À moins qu'elle n'ait en rien contre Eric en particulier, mais qu'elle veuille te garder en vie. Toi? C'est une possibilité. Ceci dit, pourquoi vouloir que je survive, moi, plutôt qu'Eric? Freya hausse les épaules. Aucune idée. Ils continuent leur route en silence. La pente vers les contreforts montagneux a commencé à s'incliner. La forêt est de plus en plus dense avec les treillis de ronces de chaque côté du sentier. La nuit commence à tomber. Duncan se tourne vers Freya. Si tu vois un endroit où nous arrêter, fais-moi signe. Il commence à se faire tard. J'ai cru apercevoir une clairière un peu plus haut entre les arbres. Duncan s'assure qu'Aline et Connor les suivent toujours de près avant de presser le pas. Un peu plus loin, en effet, la forêt s'ouvre sur une petite clairière délimitée sur le quart sud-est par une série de pierres levées. En son centre, il y a des restes du foyer d'un ancien feu de camp. Ça me semble idéal. Tout à fait, et cette fois-ci, on ne va pas manquer de bois. Duncan et Freya montent un feu en silence pendant qu'Arline fait 4 portions dans ce qu'il leur reste de provisions. C'est tout ce qui nous reste? Oui, il va falloir qu'on trouve de quoi manger demain. Il faut qu'on garde un peu de nourriture pour qu'on se rende plus en altitude. Je pense qu'on n'aura pas le mal à chasser tant qu'on est dans la forêt, mais les ressources de nourriture risquent de se raréfier quand on se rapprochera du sommet. Arline acquiesce et revoit la taille des portions à la baisse. Le groupe mange en silence, puis chacun s'installe pour la nuit. Tu ne joues pas de flûte ce soir, Arline? On va lui faire jouer de la flûte. Si tu veux. Arline sort son instrument et entonne une complète un peu triste. J'aime le son mélodique de sa flûte. Lorsqu'elle termine son morceau, Freya a déjà sombré dans un sommeil profond. Elle s'allonge près du feu. Lorsque tout le monde a succombé à la fatigue de la route, j'erre dans la forêt pour passer le temps jusqu'au matin. Les entrelacs des branches et de ronces ont un effet impressant, oppressant, j'ai besoin d'air. Nous sommes maintenant trop loin pour que je retourne jusqu'à la plage. J'ai décidé donc de m'évader vers l'amont, vers la forêt. Lorsque j'arrive à la lisière entre les chênes et les pins, je suis saisi par un appel irrépressible. La forêt disparaît. Autour de moi, une mer bleue azur, je suis ébloui par les reflets du ciel sur les vagues. Sous mes pieds, des planches de bois qui bougent doucement au rythme des ondulations marines. Je suis dans le rêve de quelqu'un d'autre. Arline? Lorsque mes yeux s'habituent à la lumière du soleil estival, je m'aperçois que je suis sur un bateau. Je n'ai pas rêvé depuis des lustres, pas depuis que je suis prisonnière de cet entretenement. Mes sens sont submergés par une multitude de sensations oubliées. Le vent du large dans mes cheveux avec une odeur d'iode, la chaleur du soleil sur ma peau. Je cherche les yeux d'Arline dans la multitude de gens qui s'activent chacun son poste. Elle est à la proue, remontant en filet rempli de boissons argentées. Elle me voit m'avancer vers elle. Elle me sourit. Ryan? Qu'est-ce que tu fais là? Tu connais mon nom? Bien sûr que je connais ton nom, ne fais pas l'idiote. Elle me prend par la taille et me colle contre elle. Je suis venue te sauver sur l'île des esprits. Elle me regarde droit dans les yeux. Alors, c'est le moment où on se dégage de traite, où on fait embrasser les deux personnes. Soit elle embrasse, soit elle dégage de son étreinte. Est-ce que vous voulez du roman à l'eau de rose? De toute façon, je pense qu'on finit le chapitre, on s'arrête là. On va s'arrêter là pour le prochain. Pourquoi ça m'étonne pas de toi? Dans la ferveur de l'instant, je prends Aline par le cou et l'embrasse à pleine bouche. Elle resserre son étreinte sur ma taille avec une douceur épreinte de fermeté. Nous sommes interrompus par une voix grave et autoritaire. Hé, la gitane! Je t'ai pas engagée sur mon bateau pour que tu te lambines! Aline baisse les yeux. Elle retourne à son filet de pêche l'air contrit. Tout change. Je suis dans une petite maison. Où on entend le hurlement du vent et la pluie qui bat contre les volets fermés. Arline se penche sur un grand lit dans lequel dort pêle-mêle une petite demi-douzaine d'enfants de tout âge. Elle touche avec tendresse le front d'une petite fille qui se tourne dans son sommeil. C'est le jour où je suis partie pour l'île.
Les laisser comme ça m'a brisé le cœur, mais je n'avais pas le choix. Je mets ma main sur l'épaule sur Darlene. Elle pose sa main sur la mienne et me regarde d'un air triste. Une ombre bouge dans le coin de la pièce. Il s'agit d'une vieille femme que je n'avais pas vue dans la pénombre. Il faut partir maintenant, Arline. Conway ne tiendra pas, ne t'attendra pas et il met les voiles à la première heure. Tu t'assureras qu'il ne manque de rien ? La vieille femme soutient son regard d'Arline mais reste silencieuse. Enid, tu me promets ? Laisse échapper un sourire. Oui, je te promets de tout faire, tout ce qui est à mon pouvoir. Enid lance un dernier coup d'œil vers le lit. Elle a les larmes aux yeux mais ils arrivent à garder la contenance. Tu n'as pas voulu les réveiller ? Pour leur dire au revoir ? Non. J'ai peur de ne pas avoir la force si... Enid prend Arline dans les bras. Elle reste enlacée un long moment. Puis Arline se retourne et sans mot dire, elle ouvre la porte de la chaumière. Le vent et la pluie s'engouffrent dans un bruit de tonnerre. Puis il y a un éclair aveuglant et je suis repoussée hors de son rêve dans la solitude immatérielle de l'entre-deux-mondes, ma prison, alors que le jour se lève sur la forêt. Lorsque j'arrive au bivouac, le groupe est déjà levé. L'ambiance est morose. Après tout ce qui s'est passé, je peux concevoir que le moral ne soit pas au bout fixe. Arline disperse ses dernières braises dans le foyer pendant que les autres rassemblent les affaires. Puis se remettre en route. Et voilà, c'est sur ce chapitre qu'on termine notre session de streaming. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Que c'est quelque chose qui vous plaît. Je pense que normalement je vais faire la suite et peut-être fin la semaine prochaine quand je ne sais pas encore. Je vous tiendrai quand même au courant via les réseaux sociaux et via Discord. Mais en gros, ils se sont levés et ils partent. Voilà. Ben en fait, c'était en gros, t'étais dans le rêve d'Arline, en fait. Et en gros, tu vas aller voir ce que tu vas, ben, tu vas voir ce que c'est la suite du coup. Mais l'image explique bien quand même si t'arrives à reconnaître un peu la chose. Quant à moi, je vais quand même, je pense, vous laisser sur ça. Nous, on se retrouve bah, du coup la semaine prochaine. Je vous tiens au courant si je fais un live lundi. Moi, en tout cas, ça m'a plu parce que j'ai fait du coup 3 chapitres avec vous. Pour le coup, pour moi, c'était intense parce que du coup, j'avais vu que les premières interactions, mais je connaissais pas du tout la suite de comment ça allait. Mais je pense que j'avais plus ou moins tout ce qui était dans les 3 premiers chapitres. Mais du coup, je pense qu'à partir du chapitre 4, 5, 6 et 7, je pense que là, je connais pour le coup, je ne connais vraiment rien du tout. D'accord ? C'est tout nouveau pour moi. Ça va être tout nouveau pour moi. Donc... vous pourrez prendre des décisions en même temps que moi, parce que, enfin, vous pourrez prendre les décisions que vous voulez, pour le coup. Quant à moi, je vais vous laisser. On se retrouve, bah, du coup, normalement lundi prochain. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne fin de journée, et à lundi. Ciao, ciao.